Bonjour à toutes et tous, sincèrement ravi de vous retrouver pour la conférence de presse officielle de présentation de la 46e édition des 24 heures moto, 15-16 avril au Mans sur le circuit Bugatti. Dans les prochains instants, nous allons découvrir ensemble la liste des engagés, les forces en présence. La compétition sera acharnée, nous ferons évidemment réagir quelques concurrents et pilotes. Dans les prochains instants aussi, nous allons découvrir ensemble le programme des animations. Mais dans l'immédiat, la parole aux fédérations, aux promoteurs et bien sûr à l'organisateur, 24 heures moto, Le Mans. Retrouvons tout de suite Pierre Fillon, président de la CO. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour Bruno. Que pensez-vous du plateau de cette 46e édition ? Il y a un plateau qui est à nouveau impressionnant, tant en qualité qu'en quantité. Année après année, les chronos s'améliorent et le suspense est entier. On voit aussi que les superstocks sont capables de rivaliser avec les EWC, ce qui nous promet de très très belles bagarres en piste. Alors c'est plus de 50 équipes qui seront au départ et je suis vraiment impressionné par le travail que tous mènent pour pouvoir être au départ de ces 24 heures en moto. Pierre Fillon, à quoi les fans doivent-ils s'attendre en termes d'animation et de spectacle tout autour du circuit ? Bien, nous avons mis les bouchées doubles encore cette année pour leur permettre d'avoir une très belle expérience. Donc, outre le spectacle en piste, qui s'avère formidable, nous aurons un show mécanique, la possibilité de découvrir le paddock, les stands, un show pyrotechnique, une fan zone, une relax zone et même une kit zone pour les plus petits. Et puis, deux soirées de concert à ne pas manquer puisqu'on aura à chaîne. Et puis, l'Italo Detta et Jim Jones, ce sera à partir de 20h. Pierre Fillon, les équipes amateurs représentent le cœur du plateau. Quels sont les engagements pris par la CO pour permettre à ceux qui le souhaitent de se lancer dans la compétition ? Vous savez comment on est attaché à toujours avoir des teams professionnels et des teams privés. Et donc, on épaule ces teams privés autant que possible. Ça a particulièrement été le cas pendant le Covid, où on a tout fait pour leur faciliter les choses et leur permettre d'être plus sereins sur le plan financier, puisque la période avait été difficile. Et on a parfaitement conscience de la difficulté pour les plus petits teams de boucler leur budget et pour participer à cette épreuve dont ils rêvent tous. Et donc, on essaye d'être le plus juste possible avec tous pour que le plus grand nombre puisse disputer les 24 heures. Merci beaucoup, Pierre Fillon. Les 24 heures moto, c'est évidemment une course de rayonnement international. Elle marque aussi le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance moto 2023. C'est l'occasion de faire le point pour la Fédération internationale de motocyclisme avec celui qui est aussi le directeur d'épreuve de chacune des manches du championnat du monde d'endurance, Patrick Coutant. Bonjour Patrick Coutant. Bonjour Bruno. Directeur d'épreuve, en effet, vous représentez la Fédération internationale de motocyclisme. La FIM, Patrick Coutant, qui promeut de nombreuses disciplines moto, mais quelle est en fait la place de l'endurance parmi celles-ci ? Eh bien, effectivement, la FIM promeut beaucoup de disciplines, mais l'endurance, c'est un peu spécial. C'est la seule discipline où on allie les gens dans les stands à travailler très vite et également les pilotes. Donc c'est une place spéciale, mais vraiment dans le haut de l'échiquier. Comment expliquez-vous, Patrick Coutant, la croissance de l'endurance, en fait, qui représente, c'est vrai, l'un des trois piliers des courses sur circuit dans le monde ? Bien d'abord, l'arrivée de Discovery Events il y a quelques années, qui nous permet de retransmettre toutes ces épreuves dans le monde entier. Et puis, les épreuves se déroulent sur des circuits vraiment prestigieux, Le Mans, Boldor au Castellet, Spa, Suzuka. Ouais. Donc vraiment, ça donne un boost à ce championnat du monde d'endurance. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un autre constat, c'est le fait que les machines sont de plus en plus performantes. Je dirais même qu'elles produisent des courses de plus en plus exigeantes. Quels sont les nouveaux points d'attention de la FIM, à la fois sur l'aspect réglementaire, mais aussi sécuritaire ? Alors surtout sécuritaire, la FIM s'occupe vraiment de la sécurité et notre département technique à la FIM a travaillé sur les casques pour les pilotes, a travaillé sur les combinaisons. Et puis avec les pilotes, nous travaillons lors des épreuves sur la partie sécurité qui va vers une amélioration sur les circuits. On a amélioré certains endroits sur d'autres circuits. Pour Le Mans, par exemple, la sortie des stands cette année ne sera pas tout à fait la même que l'année dernière. D'accord. Pour une meilleure sécurité, les pilotes sortiront plus près de la passerelle d'un lot. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Coutant. Clairement, les 24 heures moto, c'est une fierté nationale. L'occasion d'en parler avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme. «
Bonjour Sébastien Poirier. Les pilotes et les équipes françaises sont très bien représentées aux 24 heures moto. Est-ce une fierté pour la FFM ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une fierté d'avoir autant de pilotes français et d'équipages français. En 2022, nous avions 38 équipages français qui ont participé à l'édition donc 2022, plus de 110 pilotes français. Et puis à noter également, depuis l'origine, toujours à minima un pilote français sur le podium final, sauf en 84. Donc oui, il y a des pilotes français en nombre, il y a des pilotes français qui performent et une présence de nos teams, de nos meilleurs teams avec des titres régulièrement en endurance. Donc oui, c'est une fierté. C'est également une satisfaction pour nous, fédération, parce que ces épreuves d'endurance font le lien entre un championnat du monde et nos championnats de France, notamment le championnat de France Superbike et le championnat de France Supersport. Donc c'est l'occasion pour nos meilleurs pilotes français de pouvoir s'exprimer au niveau international et donc à travers eux de positionner le niveau sportif de nos championnats de France. Donc ces épreuves d'endurance constituent en effet un plus considérable. Et puis je rajouterais, évidemment que les épreuves d'endurance ont été créées par, en France hein, et donc sous l'égide de la Fédération française de moto. Et donc c'est une fierté de voir que ces épreuves d'endurance eh bien, sont certes françaises, il y en a deux très belles au calendrier international, mais il y a aussi d'autres épreuves d'endurance sur l'ensemble du calendrier des championnats du monde. Un championnat du monde qui aujourd'hui a pris totalement sa place dans le calendrier vitesse. Un promoteur international qui fait un gros travail en termes de médiatisation de ce championnat. Et puis des circuits, des épreuves qui aussi ont conservé toute leur qualité avec un niveau d'expertise exceptionnel. Et donc en effet, c'est une fierté que de pouvoir organiser cette épreuve au Mans sur ce mythique circuit Bugatti qui est en perpétuelle évolution et qui s'est amélioré au fil des années pour faire ce qu'il est aujourd'hui, un circuit d'exception. Sébastien Poirier, il y a quelques jours, la FFM a fêté ses 110 ans. C'est l'occasion de faire le point sur l'histoire, mais aussi sur l'avenir de l'endurance moto. On a la chance, en effet, cette année de fêter nos 110 ans. Je sais également que l'ACO aura un anniversaire à fêter à travers les 24 heures du Mans Auto. Les courses des 24 heures moto ont été organisées beaucoup plus tard. Mais en tout cas, on est sur une année patrimoniale, une année historique pour nos deux structures. Donc nous, Fédération, 110 ans. 110 ans, c'est 110 ans d'histoire. 110 ans de passion, c'est aussi 110 ans d'évolution. Quelque part aussi de révolution à certains aspects. On a énormément progressé sur la sécurité des pilotes. Et je pense qu'aujourd'hui, les courses qu'on organisera en 2023 n'ont absolument rien à voir avec celles qui étaient organisées en 1913. Évidemment, en matière de sécurité, aussi des circuits. Et je crois que le circuit Bugatti en est la preuve. Aujourd'hui, on a vraiment des équipements sportifs qui sont pensés avant tout pour la sécurité des pilotes. Et on a fait donc un grand pas. Et puis, je note également que sur ces 110 ans, c'est aussi 110 ans d'innovation. 110 ans d'évolution, de compétitions sportives qui ont permis de faire progresser aussi notre mobilité du quotidien. Et aujourd'hui, les sports mécaniques et les courses de 24 heures ont tout leur sens pour la mobilité de demain. Sébastien Poirier, les 24 heures moto s'inscrivent depuis 1978 dans le calendrier moto des Français. Mais en quoi est-ce un événement important pour la Fédération française de motocyclisme ? Je crois que c'est important de rappeler que les courses d'endurance sont nées en France. Et donc la FFM est particulièrement attachée à ces courses d'endurance qui ont réussi à se déployer sur, dans le monde entier, en tout cas dans un certain nombre de pays, et constitue notre ADN hein, patrimonial. On a évoqué les 110 ans, et dans ces 110 ans, eh bien, il y a cette fierté d'avoir organisé pour la première fois des courses d'endurance, et c'est resté dans le patrimoine. Donc ça, c'est important pour nous, ces courses de 24 heures, et c'est d'autant plus important qu'elles constituent aussi un lieu de vie, un lieu de communauté, où la communauté motarde se rassemble autour d'une épreuve, d'une course moto, et on va vivre ensemble pendant 48 heures, peut-être 72 heures pour certains, eh bien, on va partager, on va vivre des émotions ensemble. Il y aura évidemment la course, mais il y a tout ce qui est l'animation mise en place par l'ACO. Et moi, je tiens vraiment à féliciter l'ACO pour, depuis 46 ans, faire vivre cette manifestation, faire vivre ces épreuves d'endurance et faire en sorte aussi de s'adapter à notre public et de continuer à innover tous les ans. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle édition 2023. Je remercie les équipes de Pierre Fillon pour le travail exceptionnel qu'ils mènent depuis des années pour faire en sorte que cette épreuve constitue toujours ce marqueur de la saison d'endurance. Et je nous souhaite de vivre un très très beau moment de compétition.
Merci beaucoup Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme, et naturellement plaisir de vous retrouver au Mans sur le circuit Bugatti les 15 et 16 avril. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Jean-Baptiste Lay. Il est directeur film IWC chez Discovery Sport Events. Et vous retrouvez Jean-Baptiste Lay, c'est retrouver aussi le représentant du promoteur. Bonjour Jean-Baptiste Lay. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On a plein de choses à se dire et là on va commencer par un rappel du calendrier du championnat du monde d'endurance moto 2023. C'est parti. Voilà pour le calendrier du championnat du monde d'endurance moto 2023. J'ai envie de dire, on s'en frotte les mains, Jean-Baptiste Lay, parce que ça va être, c'est vrai, une très belle, une très grande saison. Jean-Baptiste Lay, depuis peu, l'IWC s'engage, et plus exactement. Alors, depuis l'année dernière, Discovery Sport Event, le promoteur du championnat du monde d'endurance moto, a mis en place une stratégie dans le développement durable, de façon à pouvoir inscrire le WC dans un schéma éco-responsable et en adéquation avec les problématiques actuelles. Alors, pour lancer cette stratégie, il nous fallait déjà un cadre. Un cadre, ça passe par la signature de chartes, des engagements. Donc, c'est la signature de la charte des Nations Unies pour les actions contre le dérèglement climatique, d'une part, qui permettent d'établir justement une ligne directrice des actions qu'on peut mettre en place. Oui. C'est ensuite la norme ISO 20121 pour lesquelles Discovery Sport Events s'engage. Et ça permet de garantir que les événements FIM WC sont inscrits dans un schéma organisationnel dont le développement durable est au cœur de ces actions. Une fois qu'on a ce cadre-là, un troisième pilier très important, c'est les émissions carbone. Donc c'est le monitoring de toutes ces émissions carbone et de voir comment on peut les réduire chaque année. Oui. Donc on a un plan de réduction des émissions carbone progressif chaque année avec une neutralité carbone objective pour les années 2040. Une fois qu'on a déjà mis en place toute cette structure, il nous faut une marque. Oui. On a besoin de communiquer. Notre rôle, c'est un promoteur. On a besoin de vraiment de communiquer et donc c'est pour ça que l'année dernière, on a créé EWC Cares. EWC Cares, c'est la marque qui regroupe l'intégralité des actions du promoteur, mais aussi de ses partenaires qui touchent le domaine du développement durable. J'ai pour mémoire les actions qui sont faites en collaboration avec la CO autour des 24 heures moto à travers une expérience privilégiée qu'on offre à des enfants malheureusement handicapés, oui. Qui ont la chance de pouvoir participer aux 24 heures moto et on leur permet d'accéder à des endroits privilégiés. Mm-hmm. Donc justement, là maintenant, toutes ces actions qui sont faites par le promoteur ou par ses partenaires, on les met et on les promue sous la marque de EWC Cares. D'accord. Alors, impliquer le promoteur, c'est bien. Impliquer les partenaires, c'est également bien. Oui. Mais maintenant, il reste aussi une grande partie de notre communauté, c'est les compétiteurs. Mm-hmm. Et comme tout sportif, pour intéresser des compétiteurs, il faut une compétition. Et donc l'idée, c'est qu'en parallèle de l'aspect sportif de la course, on a mis en place le EWC Cares Trophy, qui permet de pouvoir mettre à l'honneur des démarches et des initiatives développement durable qui sont faites par des équipes. Comment ça se passe? C'est très simple. Chaque équipe est libre de pouvoir déposer un dossier sur les initiatives qu'ils vont mettre en place pendant la saison autour des sujets de développement durable, qui peuvent être environnementaux, mais sociétal, économique. On parle de développement durable au global. Mmh. Et
une fois qu'ils ont fait ces dépôts-là, il y a ce dépôt de dossier, il y a un suivi tout au long de l'année, et un jury en fin de saison, composé par le promoteur que nous sommes, des journalistes et la FIM, qui est à nos côtés sur ce projet-là. On choisira un vainqueur de ce trophée qui pourra bénéficier de support média, de contenu vidéo, qui mettront en valeur toutes les actions qu'ils en ont mis pour faire un geste pour la planète. Absolument. Vous avez parlé d'ailleurs d'initiatives prises par la Seconde. Voici une nouvelle, c'est l'activation d'une plateforme de covoiturage. Donc pour venir au 24 heures moto avril 2023, c'est nouveau, ça s'appelle Stadium Go, retenez bien ce nom. Stadium Go, ce sera donc testé pour ces 24 heures moto. Plus d'infos naturellement très prochainement. Jean-Baptiste Lay, cette année vous avez aussi décidé de soutenir les équipes engagées, mais ce soutien, il se traduit comment ? Alors, cette année, pour d'évidentes raisons de sécurité, la FIM a annoncé l'année dernière qu'il y aurait un changement de réglementation technique avec une obligation d'utiliser un certain type de vanne de remplissage des réservoirs de carburant. Oui. On sait ô combien il est difficile et dangereux de ravitailler une moto brûlante qui s'arrête que quelques secondes pour faire le plein d'essence. Et donc pour éviter tout débordement d'essence, la FIM, en partenariat avec la société Stobli, ont mis en place une vanne homologuée qui sera obligatoire sur toutes les motos à partir de cette année pour garantir un niveau de sécurité optimal. D'accord. Tout changement veut dire un coût attaché, malheureusement. Et on sait à la fois la FIM et le promoteur que nous sommes tout à fait conscients des contraintes économiques et des difficultés que les équipes ont pour boucler des budgets chaque année. Donc il était de notre devoir avec la FIM de réfléchir et de mettre en place un support pour les équipes. Ce support pour les équipes, il apparaît à deux niveaux. La première chose, c'est qu'on est tout à fait conscient que certaines équipes ne font que les 24 heures moto, par exemple, dans l'année, oui. ne suivent pas forcément tout le championnat. Donc il fallait une réponse pour cette catégorie de compétiteurs. Donc c'est la possibilité de louer le système uniquement pour l'épreuve dont c'est obligatoire, pour éviter d'avoir un investissement lourd qui ne servirait que pour une participation sur la saison. Ça, c'est la première partie pour les pilotes qui ne roule qu'une fois dans la saison. Et pour les pilotes qui s'engagent sur le championnat et qu'on retrouvera sur les autres épreuves du championnat, la FIM et Discovery Sport Event se sont rejoints et mettent en place un support financier à hauteur de 2500 euros par équipe qui ont fait l'acquisition du système pour compenser une partie et couvrir une partie du coût nécessaire au basculement sur ce nouveau système. Ouais. Ce support financier se matérialisera par la prise en charge de l'engagement aux 24 heures moto, qui sera donc financé par la FIM et Discovery Sport Event. Alors vous avez parlé d'engagement, c'est vrai Jean-Baptiste, les grandes marques sont là et de nombreux nouveaux pilotes arrivent, dont beaucoup sont issus de la vitesse. Peut-on dire que l'endurance moto a le vent en poupe ? L'endurance moto a vraiment le vent en poupe. On a vécu un hiver incroyable, avec une jouvence et un dynamisme incroyable. Quand on voit le nombre de nouveaux, les nouveaux venants, oui. Les changements au sein des teams, les pilotes qui passent d'un team à l'autre, la création de nouveaux teams. On est dans un dynamisme sans précédent qui est très encourageant après des périodes difficiles Covid qu'on a connues il y a quelques années. On est vraiment dans une inversion de tendance et ça c'est vraiment encourageant pour développer le championnat. Si je peux en donner quelques chiffres, on parle de 27 nouveaux pilotes qui intègrent l'endurance. On parle de 21 nationalités différentes, ouais. Donc une vraie dimension monde pour le championnat. Parmi les nouveaux types, je ne vais pas tout citer et je présente des excuses à ceux que je vais oublier malheureusement parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne vais pas avoir le temps de dire à tout le monde, mais des nouveaux teams, KM99, le nouveau team belge qui roulera avec une Yamaha, qui intègre la catégorie EWC. On a Tecmas en stock avec la BMW, un team français. On a des changements importants au niveau des teams. On se souvient de la célèbre Kawasaki numéro 11 de SRC avec le départ de Gilles et Isabelle Staffler. Maintenant, la Kawasaki numéro 11 sera partie prenante du team Kawasaki Wheelback Trickstar.
Viltaïs qui change de marque, qui passe de Yamaha à Honda. Donc ça, c'est des changements dynamiques au niveau des teams. Mais on a aussi une longue partie de pilotes, un grand nombre de pilotes qui changent. Catégorie EWC, Alan Tetscher, qui intègre le team champion du monde FCCTSR Honda France, suite à l'accident de Gino Rea à Suzuka. Gino Rea, dont l'état de santé s'améliore considérablement. On espère rapidement le voir sur une selle ou derrière un guidon sur les prochaines courses. On pense très fort à lui. Ensuite, Hugo Clerc et Baptiste Guité qui montent de la catégorie stock en catégorie EWC et qui vont rouler aux couleurs du Tati Team Béringer. Watanabe, le pilote qui va intégrer Kawasaki Wheelback Trickstar. On a ensuite Étienne Masson qui est avec nous aujourd'hui, qui retourne en CERT au Yoshimura CERT Motul. On a Christopher Bergman qui va rouler chez les Polonais, le team polonais Wojcik, aux côtés du nouveau venu espagnol Isaac Vignales. On parlait tout à l'heure des pilotes qui viennent de différentes catégories championnats du monde. Si je parle de KM99, le nouveau team belge, l'équipage sera composé de Bastien Michaels, Luca Mayas, qui lui vient du World Superbike, tout à fait. Florian Marino. Ensuite, en catégorie stock, quelques changements aussi. Enzo de la Vega, Axel Morin, qui vont intégrer le team vainqueur de la Coupe du Monde, le team 18 sapeurs-pompiers. Kenny Foré qui va rouler chez Tecmas. Donc, et la liste est encore longue. On parlait aussi de pilotes qui viennent d'autres compétitions. J'ai en tête Leandro Mercado de la catégorie WC qui lui aussi vient du World Superbike. Bref, la liste est longue et je ne veux pas non plus révéler tous les noms avant l'intrélist. Mais un dynamisme, une jouvence, une très bonne dynamique. Ah, une dynamique très positive. Jean-Baptiste Lé, directeur FIM IWC chez Discovery Sport Events. Merci tout d'abord. Belle saison à toutes et tous. Et ce que vous avez dit à l'instant, quelque part, alimente notre impatience de découvrir la liste des engagés pour cette 46e édition des 24 heures moto. Eh bien, ça tombe bien. Cette révélation des forces en présence, c'est maintenant. « 24 heures moto », les 15, 16 avril, les engagés 2023, découvrons-les en commençant par la catégorie Formula IWC. Et avec le numéro 1, puisque le team FCCTSR Honda France fait honneur à son titre de champion du monde, rappelons au passage que si une Honda devait gagner ses 24 heures moto 2023, alors Honda reviendrait à égalité au nombre de victoires dans l'histoire de cette course, avec Suzuki et Kawasaki, deux marques qui ont déjà 14 victoires au compteur aux 24 heures moto. À propos de Kawasaki, il y a naturellement la numéro 4 du Tati Team Béringer Racing. C'est le team de Patrick Enjolras avec Hugo Clerc et Baptiste Guité qui rejoignent Grégory Leblanc dans cette équipe, puisqu'effectivement, le co-détenteur du nombre de victoires en tant que pilote aux 24 heures moto avec Alex Vira, Grégory Leblanc, est pilote du Tati Team Béringer Racing. Numéro 6 avec la Ducati ERC Endurance. Et là, lorsque l'on parle de RC, toutes et tous pensez au Boulder, où c'est vrai, la Ducati est passée près de l'exploit. Quand sera-t-il au Mans cette année? Réponse évidemment les 15-16 avril. Numéro 7 pour le Yacht et plus précisément le Yamalube Yacht Yamaha IWC Official. Équipe qui avait décroché la pole position l'année dernière. Évidemment candidate à la victoire cette année. Seconde place à l'arrivée de l'édition 2022. La dernière victoire de Yamaha aux 24 heures moto, rappelons-le, remonte à 2017. Parmi les équipes fidèles, il y a bien sûr le team Bolliger Switzerland avec la Kawasaki numéro 8. 21e participation quand même pour la formation helvétique. Numéro 11 maintenant, il faut se familiariser avec le team Kawasaki Webike Trickstar et bien sûr la présence dans les rangs de Randy Depunier. C'est la structure en fait qui prend donc la suite du team SRC sous l'impulsion de Ryuji Tsuruta. Numéro 12, mais elle aussi c'est un numéro assez inédit dans l'épopée du team CERT et plus précisément du Yoshimura CERT Motul avec une Suzuki qui visera une troisième victoire consécutive. 14 pour le numéro de l'équipe slovaque, le Matsu Racing avec la Yamaha.
Ce sera en ce qui concerne justement cette formation, la 21e saison d'une équipe emmenée par Martin Kuzma, le manager. C'est nouveau, numéro 21, le BIM Trazer Fly. C'est une formation espagnole, première fois qu'elle vient aux 24 heures moto. C'est un rêve qui devient réalité. C'est ce que cette équipe a communiqué et diffusé comme message sur ses réseaux sociaux. On se pose chaque année la question à quand la première victoire d'une moto européenne aux 24 heures moto. C'est en tout cas clairement l'objectif du team BMW Motorrad World Endurance Team avec la BMW numéro 37, équipe qui, rappelons-le, l'année dernière a gagné une manche du championnat du monde en référence aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Manao Compétition, bravo, accède à la catégorie IWC pour cette formation mayonnaise qui reste avec le numéro 53. Parmi les équipes fidèles également, numéro 65 et évidemment le Motobox Kremer Racing, la formation de Manfred Kremer avec cette Yamaha toute orange. Également en catégorie IWC, le Volsic Racing Team avec la Yamaha numéro 77. Elle n'est pas la seule formation polonaise puisque si la 77 est là une Yamaha, il y a aussi le team LRP Poland avec l'autre BMW avec laquelle il faudra compter dans cette catégorie IWC, la numéro 90. Donc, 96 également pour saluer aussi la fidélité de Moto1, ce haut niveau de compétition. Yamaha numéro 96 pour Moto1 et une nouvelle venue dans cette catégorie Formula IWC, la formation belge KM99, le team de Mario Cooper ou Cooper Mario, ça fait effectivement KM. Et s'agissant d'une formation belge, je devrais même dire KM99. Nouveau pneu chinois pour le King Tire Full Gas Racing Team, qui reste également dans cette catégorie RN avec la Kawasaki numéro 116. Et puis pour Viltais, ce qui n'a pas changé, c'est le numéro 333, la formation de Yannick Lucot qui a réalisé l'exploit fin de saison dernière de gagner le bol d'or. Bravo, attention, il va falloir s'y faire. Maintenant, Viltais roule en Honda. Superstock, la liste des engagés. Elle a aussi un très très beau plateau avec des candidats à la victoire très clairement pour la catégorie Superstock avec une BMW qui sera la M1000RR. C'est le team Tecmas, MRP, BMW Racing Team. Tecmas, c'est Arnaud Assasson avec Werner Damen, le concurrent belge. Une très très belle association, une équipe qui pourra compter entre autres sur le soutien de Kenny Forêt. Des nouveaux venus dans la catégorie Superstock également, des Bretons et même des Paimpolais, c'est le team 2TS. Bienvenue à cette Yamaha qui portera le numéro 10. C'est Pierre-Louis Le Bonnec qui, après le Dakar, vise effectivement une participation aux 24 heures moto. OG Motorsport World Endurance Team est là aussi avec la Yamaha numéro 13 et parmi ses piliers, il y a Roberto Rolfo. Parmi les nouveaux venus aussi, le Holland Motor Store Racing, une Yamaha numéro 16. L'équipe est très très enthousiaste avec une très belle communication d'ailleurs qui en témoigne au niveau de leurs réseaux sociaux. Ils sont les tenants du titre pour la catégorie Superstock à la fois au niveau du palmarès des 24 heures moto mais aussi de la coupe FIM Superstock. C'est bien sûr le team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore. L'objectif très clairement c'est de se succéder à eux-mêmes au niveau du palmarès des 24 heures moto. Motosport Endurance également numéro 20 pour une autre équipe bretonne. Quatrième participation et depuis leur première ils ont toujours vu le drapeau à Damier. Superstock, la suite avec le team 202, la formation de la police nationale, les Yamaha. BMRT 3D Maxxess Nevers également dans la course avec un très beau palmarès, une ambition légitime de renouer avec la plus haute marche du podium. Et il y en a d'autres qui ambitionnent cela, notamment la formation d'Eric Tanesi, le TRT 27 Bazar de la Bécane avec la Suzuki numéro 27. Beaucoup de remaniements dans l'équipe d'Eric Tanesi, 18e participation en 24 heures moto cette année. 3 pilotes qui, au passage, seront des Anglais chez TRT 27. GT Endurance avec une Honda qu'il faudra évidemment surveiller. GT Endurance, ce sera la numéro 30. Pour l'équipe numéro 32, École de la Performance Endurance. On va accueillir en 24 heures moto cette formation qui vient du Gers et qui, précédemment, en championnat de France de vitesse avec David Muscat, a enchaîné les titres avec une Ducati à ce moment-là. Mais là, pour les 24 heures moto, cette formation gersoise qui vient donc de Nogaro est avec une Honda. Le team 33 Louis April Moto, la formation bordelaise qui a cette année des espoirs de Dolce Vita, puisqu'effectivement le team Louis April Moto va confier le guidon de sa Kawasaki à 3 pilotes
italiens. Superstock, la suite avec le JMA Racing Action Bike. C'est évidemment le numéro 34, la formation de Jean-Marc Adam, qui est aussi parmi les pilotes les plus expérimentés qui soient, en tout cas chef d'équipe. Le team 35 PMO est avec la Yamaha, également numéro 35. Troart Best of Bike est évidemment aussi dans la course. Ça fait partie des piliers de l'endurance, avec notamment un pilote que l'on va accueillir dans quelques instants, c'est Martin Renaudin. Dans la catégorie des Superstock aussi, il va forcément falloir surveiller de près la Honda numéro 41 du team Chrome Burner RAC 41 Honda. Cette équipe d'ailleurs qui a gagné la catégorie Superstock également en septembre dernier au Bol d'Or. Honda toujours avec le team No Limits. Là vous vous dites quoi ? Honda No Limits, bah effectivement, un virage dans la vie de cette formation italienne qui avant roulait Suzuki et qui passe en effet à Honda. Rappelons que ce sont les seconds du classement de la Coupe du Monde FIM Superstock 2022. Par conséquent, ils visent aussi la victoire au Mans et le titre en fin de saison et c'est légitime. National Moto, la Honda numéro 55, que dire ? Que ce sera la 45e participation de cette formation de la Garenne Colombe en 46 éditions des 24 heures moto qui était aussi l'année dernière sur le podium dans la catégorie Superstock au Mans avec une victoire également en 2021. Le junior team Le Mans Sud Suzuki aura forcément envie de renouer aussi avec le podium, c'est bien normal. On va souhaiter également une bonne course cette année au team senior motosport, team Mont Blanc avec la BMW numéro 74. 82, alors ça aussi c'est nouveau, alors regardez bien ce drapeau sur la droite de votre écran, Uniserve Moto 82 Team avec une Kawasaki et le premier team Kazakhstan de l'histoire des 24 heures moto. Bienvenue. RR, mais là aussi on peut dire que c'est tout nouveau puisque c'est un team 100% normand. Alors RR pour 7 Yamaha numéro 83, ça veut dire quoi ? C'est passé du rêve à la réalité. 85 pour la formation vendéenne, la 10e participation du team Racing 85, une Kawasaki. Il y aura également le team Pit Lane numéro 86 qui là aussi fait partie des piliers de l'endurance. On peut dire qu'en 5 participations, l'équipe a toujours vu le drapeau à damier. Top 10 du général, c'est un objectif légitime. Simplement vous rappeler que la moto sera donc une Yamaha. Énergie Endurance 91, là aussi parmi les équipes piliers de l'endurance, aura donc une Kawasaki numéro 97, le drapeau de l'Union Jack pour le team ADSS 97. Simplement dire que Chris 49 ans, le pilote propriétaire de cette équipe qui engage donc la nouvelle Kawasaki. Et il y aura parmi les pilotes Chris Walker, 50 ans, vainqueur des 24 heures moto en 1999 et qui va revenir après tout simplement 24 ans d'absence. Il y a des chiffres comme ça. Avio Bike, là on est de retour en terres italiennes avec cette Yamaha numéro 101. C'est le team de Giovanni Baggi avec un effectif pilote 100% renouvelé. Il y aura également un pack LCR Endurance numéro 112. Ça c'est Philippe Nicolas qui en est le team manager. Slider Endurance également avec une très belle participation entendue aussi pour ce team français qui roule avec une Yamaha. Le Falcon Racing numéro 21. Dylan Buisson qui a rejoint notamment l'effectif avec donc cette machine Superstock la suite parce qu'il y a effectivement vraiment du beau monde avec la Suzuki numéro 135. Deuxième participation d'ailleurs pour le CAM Racing Team, honorable 25e position au général à l'arrivée de l'édition en 2022. Gagner la catégorie Superstock comment le Werk Motors Event sait faire. On suivra donc aussi, mais comme toutes les autres machines, cette Suzuki avec le numéro 212. Il y a le team Furprier Racing avec la Yamaha numéro 216. Et naturellement, elle sera l'équivalente dans la catégorie Superstock au niveau ambition de ce qu'est la 77 en IWC. Là, je parlais donc de la Yamaha numéro 777 du Volsic Racing Team en catégorie Superstock. Voilà pour le tableau. Allez, on passe maintenant à la catégorie expérimentale et 3 machines cette année. Ça fait effectivement très très plaisir avec l'Aprilia JCM Confort, nouveau nom de team pour cette formation qui est structurée par Emmanuel Paris, donc en catégorie expérimentale, qui retrouvera aussi une autre formation sartoise, le team Métis, avec la Métis MSLA JBB 22. Plus les années passent et plus cette machine est régulière et performante. Et l'on va ponctuer le tout avec le team
Players, qui aura également cette Kawasaki en catégorie expérimentale. Au final, retenez ceci, le plateau des engagés 2023, 24 heures moto, 46e édition de l'histoire, réunira 55 motos, 18 en IWC, 34 en Superstock, les trois expérimentales que vous voyez encore sur votre écran. Et parmi tous ces teams, il y en a 37, ce qu'on appelle des teams permanents, qui donc disputeront l'intégralité du championnat du monde d'endurance moto FIM 2023. Des réactions tout de suite. Nous allons commencer par l'un des pilotes de l'équipe championne du monde d'endurance en titre, Mike Di Meglio. Bonjour Mike Di Meglio. Bonjour. Vous abordez cette 46e édition des 24 heures moto avec le statut de champion du monde. Votre moto a le numéro 1. Qu'est-ce que ça implique ? De la responsabilité. Déjà, un plaisir d'avoir le numéro 1 parce qu'enfin j'y suis arrivé en endurance. Mais voilà, on sait qu'on a été champion du monde. On a montré de très belles courses l'année dernière. Donc à nous d'être encore performants cette année pour gagner d'autres courses. Et vous êtes déjà détenteur de deux victoires en 24 heures moto. Pour vous, quelles sont les clés de la réussite pour triompher sur le circuit Bugatti ? Une bonne moto, un bon équipage et après voilà, un peu de chance parce qu'en endurance, les courses sont longues. Il paraît tellement de choses. J'ai connu des 24 heures du Mans où on pouvait avoir beau temps toute la course ou d'autres avec des intempéries. Donc il faut s'adapter aux conditions et rester patient et aller au bout. Chaque année, Mike Di Meglio, on le voit, le rythme de la course est de plus en plus élevé. Deux questions en une. Quelles évolutions déjà avez-vous apportées à la moto pour qu'elle reste évidemment la reine du moment ? Et en même temps, est-ce que c'est vrai que entre deux courses, vous repassez le film de l'année précédente pour être encore meilleur par rapport à la course qui se prépare ? Le team a beaucoup travaillé cet hiver. Ils ont apporté un nouveau brossillon, un nouveau pot, parce que l'année dernière, on a vu quand même qu'on avait pas mal de soucis, quelques petites pièces pour essayer d'améliorer. Josh Hook a pu faire des essais au Japon et il a roulé très vite, donc en espérant que ça soit pareil au Mans. Ouais. On le voit que tout le monde travaille dur, tout le monde essaie d'être meilleur, donc la concurrence est rude et à nous être au maximum. Et oui, les vidéos, c'est très important. Déjà, avant Grand Prix, je le faisais, mais en endurance aussi, il faut essayer d'être performant, essayer d'apprendre de ses erreurs ou des points faibles ou forts des autres équipes. Donc j'aime beaucoup analyser les vidéos. Là, chez moi, j'ai déjà pas mal regardé la course de l'année dernière, donc j'essaie de comprendre un petit peu les relais, ce qui se passe, les stratégies, et toujours intéressant. Ouais, c'est remarquable tout cela. Merci Mike Di Meglio, tout de suite nous avons rendez-vous, autant le dire, avec ceux à qui vous avez shippé le numéro 1. Rendez-vous tout de suite avec Suzuki et Damien Saunier. Bonjour Damien Saunier. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Le Yoshimura Cert Motul. Bon, j'imagine Damien, vous allez viser une troisième victoire consécutive. Ça aurait quelle signification pour l'équipe et en même temps, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la décrocher ? La signification pour l'équipe, bien, je pense qu'on a fait des bons essais hivernaux, que le travail durant le week-end de course a été remarquable et que ce soit sur la moto ou dans les stands, on n'a pas fait d'impair. Donc ça, ce serait, je pense, ouais, serait sur le gâteau d'avoir un troisième trophée d'affilée. Et j'avoue que j'ai plutôt, comme tout le monde, envie de ramener ce trophée et il sera définitivement dans les ateliers si on gagne le Mans cette année. Absolument. Bon, Damien Saunier, on le sait, l'implication de Suzuki dans la compétition a changé. Quelle structure vous-même avez-vous mise en place avec le soutien de qui pour conserver cette dynamique de victoire au Mans ? Effectivement, ça n'a pas été une super nouvelle de savoir que Suzuki se retirait du MotoGP, l'endurance également. Malgré tout, il y avait quand même une volonté de Yoshimura, Suzuki France, de nous, le CERT, de continuer cette aventure humaine et sportive de l'endurance. Donc on a eu quelques gouttes de sueur durant l'hiver, on a beaucoup travaillé à l'atelier avec Suzuki France, avec Yoshimura pour arriver à trouver la solution. On a mis en place des opérations, que ce soit pour les 24 heures moto, on a mis de la billetterie en place qui est en libre sur la billetterie de la CO, des packs partenaires dans les tribunes, la tribune TCS qui sera mis à disposition, un pack VIP, un pack premium également, soit sur le site de notre Facebook ou sur la billetterie de la CO. L'idée de développer des compés clients, des motos qui soient proches de la course, bien équipées, des belles motos racing, un label avec le réseau Suzuki également, avec le réseau des concessionnaires. Donc on a vraiment essayé de faire plein de choses pour dynamiser, pour trouver, ouais, de trouver de nouvelles idées, pour qu'on soit bien présent cette année. Bon, Damien Saunier, on le voit, quelque part, vos adversaires se renforcent. Il y a de nouveaux pilotes qui arrivent, ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Quel regard vous portez sur cette concurrence ? On voit de nouveaux pilotes arriver, pilotes du MotoGP, pilotes du Supersport, pilotes des pays étrangers également. Donc on voit que l'endurance se prend une vraie place maintenant dans le milieu de la moto. Ça fait déjà quelques années que Discovery Events, les différents organisateurs font en sorte que ces événements d'endurance moto soient vraiment des belles courses moto. Ouais. Et on voit bien que ça cesse d'évoluer.
Et puis on voit des nouveaux teams qui arrivent également, des nouveaux teams petits qui progressent et qui deviennent des bons teams maintenant, ou auxquels il faut garder un œil attentif parce qu'il y a les grosses équipes, mais il y a toujours ces teams qui sont derrière à l'affût d'une bêtise des teams officiels. Ouais. Donc je reste vigilant. Merci beaucoup Damien Saunier. Le Yoshimura, certes motule au niveau de son équipage pour ses 24 heures moto, retrouve Étienne Masson. Et bien ça tombe bien, c'est avec Étienne que nous avons tout de suite rendez-vous. Étienne Masson, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver, de retour aussi au CERTS après plusieurs années. Bon, on vous imagine très heureux d'intégrer le Yoshimura CERTS Motul. Ouais, super, super heureux. Après 2 ans dans d'autres équipes, heureux de retrouver l'équipe qui m'a ramené quand même 3 titres. Donc, ouais. Très très content, même si l'équipe a pas mal changé avec l'arrivée des Japonais. Mais je suis pas tellement inquiet. Au contraire, j'ai vraiment hâte d'attaquer les tests, attaquer les courses et ça va bien se passer. C'est vrai que vous parlez de changement, on peut parler de nouveaux pneumatiques, de nouveaux coéquipiers et puis d'une nouvelle structure d'équipe aussi. Comment appréhendez-vous ces changements ? Je les appréhende plutôt bien puisque j'ai connu 2 équipes entre ma sortie du CERT et mon retour. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. J'ai connu des politiques complètement différentes à chaque fois. Donc je suis assez serein, assez content et vraiment, j'ai hâte d'attaquer et de retrouver tout le monde sur les circuits. Étienne Masson, vous comptez 13 participations 24 heures moto. Cette course, vous l'avez gagnée une fois. Et en effet, vous avez été champion du monde d'endurance moto. Le profil d'un bon pilote d'endurance moto, selon vous, c'est quoi ? Ouais, c'est un profil qui est un peu particulier. Il faut être rapide, fiable et essayer de communiquer un maximum aussi avec son équipe, essayer de ramener les bonnes infos à chaque fois. Que ce soit aux ingénieurs ou aux pilotes, donc à nos coéquipiers, et surtout lire la piste à chaque tour, essayer de ne pas se faire piéger, essayer d'être rapide tout au long de la course sur chaque relais, et aussi essayer de préserver au maximum la moto, les pneus, et surtout essayer de consommer le moins possible, c'est de plus en plus important. Mais tout ça dans des chronos le plus vite possible, donc forcément il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu, donc c'est voilà. Absolument, et c'est ce qui fait encore une fois que cette course va être absolument passionnante et hyper disputée de bout en bout. Alors évidemment, vous Étienne Masson, vous êtes dans la catégorie des IWC, mais il y a aussi la catégorie Superstock. Là aussi la compétition sera acharnée. Nous avons tout de suite rendez-vous avec les tenants du titre. Bonjour Yannick Bureau. Bonjour Bruno. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Évidemment, le Team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore. Bon Yannick Bureau, vous êtes à la fois les tenants du titre aux 24 heures moto en catégorie Superstock. L'équipe gagnante aussi de la Coupe du Monde FIM Superstock. Je vais être très direct. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes maintenant l'équipe à abattre ? Équipe à abattre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que la concurrence va se battre pour nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. On les a vus tous beaucoup travailler cet hiver, donc nous, on a essayé de ne pas s'endormir sur nos lauriers, bien sûr, parce qu'on sait qu'on va être très regardé et qu'on va être le challenge des autres. Ouais. C'est vrai que cette catégorie Superstock, elle est chaque année de plus en plus disputée. Là, pour cette année, qu'avez-vous mis en œuvre pour évidemment rester au niveau ? Déjà, on a essayé de garder nos fondamentaux, c'est-à-dire le travail, la démarche qualité qu'on avait mis en place l'hiver dernier et qui avait porté ses fruits tout au long de l'année 2022. On a essayé de poursuivre dans le même état d'esprit. Et puis, alors on a un petit renouvellement d'équipage. On avait essayé de garder le même équipage, mais les faits ont fait qu'on a un équipage un petit peu modifié cette année, mais avec des gens... On a essayé de garder des gens d'expérience quand même qui nous rejoignent. Donc on a Philippe Stadmeyer qui continue, qui était une valeur sûre de l'année dernière. Absolument. Et puis on a 2 renforts de poids puisque Enzo de la Vega qui s'est beaucoup montré sur la Yamaha 94 l'année dernière, qui a fait de très belles performances. Et puis un homme rompu à la fois à la vitesse et à l'endurance en la personne d'Axel Morin. Fait son grand retour en endurance et qui est un excellent metteur au point. Yannick Bureau, il va être intéressant aussi avec vous de rappeler quelles sont à la fois les différences, mais aussi les points communs entre une moto
de série et une moto qui court en catégorie Super Stock au départ d'une course comme les 24 heures moto. Alors effectivement, la catégorie Super Stock, c'est vraiment la catégorie la plus proche de la série en endurance. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de différences. Alors, c'est à la fois des différences qui sont nécessaires, on va dire, pour la sécurité, pour la course, comme les vannes de remplissage rapide, sécurisées, et un certain nombre d'équipements sur la machine pour la sécurité du pilote et pour évoluer dans ce contexte racing, on va dire, qui est différent d'une moto de route. Mais aussi un certain nombre d'évolutions qui sont certes limitées, mais qui restent possibles pour les équipes, sur un certain nombre de pièces du châssis, sur la capacité du réservoir qui peut être portée à 24 litres, tout en gardant l'aspect le plus proche de l'origine pour la machine, ce qui des fois impose de l'inventivité pour les équipes techniques, parce que quand il faut agrandir un réservoir, par exemple, d'origine, pour le passer à 24 litres tout en lui gardant sa forme d'origine, il faut trouver un petit peu de la place partout, déplacer des choses, sécuriser aussi les faisceaux électriques, etc. Donc c'est des machines très proches de l'origine, mais il y a quand même un énorme boulot pendant l'hiver pour les équipes techniques. Et puis une particularité aussi par rapport à une machine de série, c'est qu'il faut que ça soit des machines qui se ravitaillent vite, même si on est beaucoup plus limité que la formule WC, et aussi qui se réparent vite. Parce que, comme je dis souvent, il est extrêmement dur en endurance, alors surtout aujourd'hui, parce que l'endurance a évolué. C'est extrêmement dur de gagner des dixièmes sur la piste. Ouais. Mais par contre, perdre des secondes et des pleines minutes dans les stands, alors ça, c'est très facile. C'est à la portée de tous. Et c'est souvent dans les stands que si la course peut se gagner sur la piste, en tout cas, elle se perd assurément dans les stands. Évidemment. Et ça, Dominique Mélian, à l'époque, le disait très souvent, il faut être très performant dans les stands et faire cette chasse-là. Donc, ça commence par la préparation de la machine pour la rendre facile à ravitailler, facile à réparer. Et ça entraîne beaucoup, beaucoup de travail de l'ombre. Bien sûr. Yannick, votre équipe, c'est donc Team 18, sapeurs, pompiers, des pompiers, je pense que toutes et tous, vous serez d'accord, qui ont été très sollicités en 2022. Votre engagement, c'est une façon de leur rendre hommage ? Oui, alors c'est à la fois une façon de rendre hommage, et puis nous, dans notre corporation, on avait envie de, comme je disais récemment au président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est qui est un fan, hein, qui te suit aussi dans les commentaires tout le temps, pendant 24 heures. je lui expliquais qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui finalement sont similaires entre l'endurance et l'état d'esprit dans notre corporation. C'est-à-dire les valeurs de ténacité, d'esprit d'équipe, d'entraide. Quand le voisin flanche, le mécano d'à côté l'aide, etc. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on s'est tout de suite reconnu il y a des années, quand on s'est engagé en endurance. Et puis, on avait aussi envie de montrer que par ces valeurs-là, nous et notre organisation professionnelle, on pouvait aussi transposer ça au monde de l'endurance. Ouais. Bravo en tout cas à Yannick Bureau. Félicitations, le Team 18 sapeurs-pompiers, tenant du titre encore une fois dans la catégorie des super stocks. Alors évidemment, vous, si votre couleur, ça reste le rouge. Lui, au 24 heures moto, on peut dire qu'il voit la vie en bleu. On va tout de suite retrouver Martin Renaudin. Bonjour Martin Renaudin. Bonjour Bruno. Vous avez été sacré champion de France Challenger 2022. C'est bénéfique ça pour l'endurance ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est bénéfique parce qu'on voit qu'en endurance, ça roule de plus en plus vite. Et je pense que c'est important de savoir qu'on a la vitesse, en tout cas pour affronter la concurrence. Moi, je suis quand même très confiant et ça me rassure de savoir que j'ai le rythme pour me battre pour la victoire en catégorie stock. Avec votre équipe 3Art Best of Bike, bon, vous avez vécu une édition 2022 un peu compliquée, mais 2023, allez, ça va mieux se passer. Vos chances de victoire là, cette année, vous les estimez à combien ? Honnêtement, je suis quand même quelqu'un de confiant, donc je dirais entre 80 et 90%.
On a une bonne équipe, on a remanié un petit peu la moto de façon à résoudre les problèmes qu'on a eu l'an passé. Donc aujourd'hui, moi, je me dis qu'il n'y a pas de raison et on a tout pour gagner. Bon, Martin Renaudin, ouais, vous êtes Sartois. Alors on imagine, les 24 heures moto occupent une place particulière dans votre cœur. Tout à fait. Gagner les 24 heures du monde moto, c'est quand même quelque chose de particulier pour moi. Ça serait mon rêve et je vais essayer de tout faire pour l'obtenir. Il n'y a pas de raison. Donc maintenant, il faut rester concentré et la course est longue. Bravo et merci Martin Renaudin. Il y a un très beau défi à relever avec 3 Art Best of Bike dans la catégorie des super stocks. Martin Renaudin, on le dit tous les ans, et c'est vrai, le rayonnement des 24 heures moto est international. Pour la première fois 24 heures moto, il va y avoir un pilote indonésien au départ. Il s'agit de Dimas Eki Pratama que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Dimas Eki Pratama et bienvenue puisqu'en effet vous vous apprêtez à disputer pour la première fois de votre carrière les 24 heures moto. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines du départ? Well, it's very challenging opportunity. Thank you for the team Energy 91 for inviting me to join the team also to be part in 24 hours moto. And I can wait for half a test and to meeting the all staff, all the team, and all the riders to have a good connection before the race, before the test also. So I can wait. Dimas, vous êtes le premier pilote indonésien à venir disputer les 24 heures moto. Est-ce une fierté pour vous? It's 100%. I'm very proud to bring Indonesia rider and also Indonesia flag and also to be the first Indonesia rider in history to take a part in 24 hours moto in Le Mans, and we see. Please supporting me. I'm very proud to bring the Indonesia flag there. Dimas, quelle préparation mettez-vous en place et en même temps, quelles sont vos attentes pour cette première participation? Yeah, the preparation as a rider, I do motocross training, also cycling, running, gym, and some enduro bikes, and I can't wait to have a test with the team. For sure, in the Endurance World Championship, the rider is very high level because many riders also from the World Championship riders, and it's very interesting. And I can't wait to have a test and see what happened because my last ride in Le Mans since 2019, when in MotoGP, in Moto2, and I cannot wait to have a test there and also to know the track, especially during the night session, and I can't wait. And I want to say thank you to my family, especially my wife, Padma, and also my kids, Ishan and Kalilas, for always supporting me, and also my parents, and also my sponsors, because always trusting to me, and always supporting me, and also all Indonesia fans for keep support me. And I wish I will do my job and I will do my best to have a good result, especially also with the team because we work together in endurance. So wish us luck and we see very soon. Ciao. Merci Dimas Eki Pratama et encore une fois bienvenue, on sera très heureux de vous accueillir sur le circuit Bugatti. Évidemment pour les premiers essais officiels. Les forces en présence, les animations, vous savez tout maintenant de la 46e édition des 24 heures moto les 15 et 16 avril au Mans sur le circuit Bugatti. Il nous reste évidemment à vous accueillir, ce que l'on fera avec grand plaisir. Et en matière de déplacement, n'hésitez pas à tester cette année, c'est nouveau, la plateforme de covoiturage, elle s'appelle Stadium Go. 24 heures moto Le Mans circuit Bugatti, 46e édition les 15 et 16 avril, ce sera avec vous.